Bonjour à tous, et oui, déjà lundi. Alors, la petite vidéo, comme chaque semaine, présentation de mobylette. On pense à dire d'ailleurs à ceux qui sont sur YouTube qui nous regardent, vous êtes énormément à nous regarder et pas vous abonner. Ça coûte rien, ça mange pas de pain, faites-vous plaisir. Alors aujourd'hui, on est avec. Michael, Salut Mickaël, comment tu es? ça va bien? Que vas-tu nous présenter, Mickaël? Un 103 RCX R, phase 2. Phase 2. Bah, c'est une belle machine. C'est une belle machine. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Dis-moi tout. Est-ce que tu l'as où tu l'as acheté? Ce que tu as fait dessus? Les problèmes que tu as pu rencontrer qui pourraient aider certains autres? Et etc. etc. Depuis tes aventures, on va finir par les aventures. Ouais. Allez, c'est parti. Donc c'est une mobylette que j'ai achetée à notre ami Hervé. Donc Hervé qui fait partie de notre groupe, qui est un fanat de SPX RCX Clip. Oui, il a que ça d'ailleurs, de toute façon. Donc c'est une machine que tu as achetée, Hervé. Alors, dis-nous tout après. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait dessus, Donc etc. c'est une machine qui, bon, esthétiquement, j'ai rien fait, qui était plutôt propre. Ouais, c'est vrai qu'elle est propre. Voilà, après mécaniquement, elle a jamais vraiment voulu marcher comme il faut. Ouais. Donc j'ai tout refait, À la roulement. base, elle était origine, hein? Ouais, Ouais, c'est ça. d'accord. Mais elle tirait pas. Ouais. Donc j'ai essayé plusieurs panachages de cylindres, de moteurs, ça allait pas. Ouais. J'ai refait le moteur complet. D'accord, donc Donc c'est roulement, bas moteur origine? joint, bas moteur origine. D'accord, mais complètement démonté, C'est refait ça, entièrement. refait. J'ai changé pas mal de fois le cylindre, donc là j'ai fini par lui mettre un 70 Hertzal en T3 Ouais. avec une culasse mal aussi D'accord. pour aller avec le Les la surcouvertures, cylindrée. ouais. Voilà, c'était pas encore exceptionnel. Donc j'ai fini par remettre un embrayage neuf. Ouais. C'était beaucoup mieux. Eh Et j'ai fini par alléger énormément le variateur et là. Elle marche très très bien. voilà. Donc, enfin, c'est la base un peu sur ces modèles-là. Le variateur d'origine, il est l'avantage. On peut vraiment faire des trucs sympas avec. Et surtout, beaucoup sont souvent ont des problèmes et ne pensent pas à changer les mâchoires d'embrayage. Et donc, t'as pris quel modèle, toi? C'est des techniques hein, en Ouais. allégé. Ouais. Donc, Qui c'est pas était. les complètement origines, mais c'est les un peu plus haut de gamme, c'est ça, hein? C'est ça, c'est pas encore les Doppler, c'est un peu la gamme intermédiaire. D'accord. Bon. Qu'as-tu comme projet d'évolution? Attends, on a parlé. Power GD, on a oublié de Ah préciser. oui, le PowerGD, ouais. Et admission. En 15. En admission en 15. Donc. Donc, pipe, clapet, carburateur. Voilà. Donc, le Power GD, Gamma. bah, vous verrez, Gamma, qui. Bah, il va être bon à refaire. Il y a eu des soucis techniques tout à l'heure. Pas grand-chose, mais bon. Il va être obligé de retourner sur la table d'opération. C'est ça. Projet d'évolution. Dessus, bah, refaire le pot. Refaire le pot. Le prochain projet est très court terme. Voilà. J'ai le carbu à changer parce que le 15 suffit pas. Ouais. Je suis obligé de tourner sans filtre à air, sinon elle marche pas du tout. Ouais, c'est trop léger. Donc il faut que j'augmente voilà, le diamètre, je suis trop léger. Ouais. Après voilà tous les réglages qui vont derrière. J'ai 2-3 bricoles à revoir au niveau de l'embrayage. J'ai pas la platine pour démarrer à la poussée. Donc, D'accord. ce qui est assez problématique sur les culasses haute compression. Ouais. Qu'on voit patine facilement. Sinon, voilà, globalement, c'est une machine qui marche bien. Je me plains pas. Bon. Je vais vous faire un petit tour et puis Mickaël va nous la démarrer. Vous voyez, problème de la journée. Il n'y a plus de cartouche, ça fait un drôle de bruit. Donc on va vous la démarrer. Là, c'est extra pour se faire repérer. Ah, Alors là, j'ai vu un petit truc là. Tu nous as mis un petit compteur de vélo, c'est ça? Ouais, parce qu'en fait, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais la gaine de compteur va sur l'entraîneur, mais ne va pas sur le compteur d'origine. Donc j'ai D'accord. pas encore trouvé le modèle qui Le va bon dessus. modèle. Ok, d'accord. Et c'est assez problématique chez Peugeot, parce qu'il y a 50 modèles. Ah bah ça, oui. Donc ça, voilà.
Ok. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de mettre le son de votre téléviseur à fond. Voilà. Donc mettez bien le son de la télévision à fond. Si vous voulez réveiller les voisins, c'est extra. Là, ça envoie. Là, ça envoie. Allez, on va vous laisser là-dessus. Oui. Pour réveiller la voisine, il n'y a rien de mieux. Allez, salut Mickaël. Bonne soirée.